Salut les amis, c'est Alex, votre coach de fitness qui est hyper motivé à vous faire une vidéo parce qu'il est dans un cadre de ouf. Pourquoi je dis, je rigole? Parce que je suis gelé, il fait moins 6, moins 7, mais surtout avec un vent glacial. J'ai l'impression d'être au Mont Blanc. Il y a 3 ans quand j'ai fait le Mont Blanc, c'était à peu près pareil, ça me rappelle un petit peu les conditions, mais regardez-moi ce cadre de psychopathe. Hop, c'est juste incroyable, je ne vais même pas pouvoir changer le truc parce que il fait trop froid, donc je vais pas enlever mes gants. J'ai déjà assez galéré avec le micro. En tout cas, bienvenue sur la chaîne YouTube Move Your Fit. Moi, c'est Alexandre Noilier, je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner pour les abonnés, regardez, je sais même plus parler. Pensez à vous abonner si c'est la première fois qu'on se voit. Et si c'est la première fois qu'on se voit, je vous invite à cliquer dans le lien ci-dessous. Vous avez les 10 conseils pour être au top physiquement. C'est des conseils fitness, santé, nutrition, bien-être qui vous permettront de passer au niveau supérieur. Dans votre vie, on va faire 5 minutes d'échauffement, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Vous pouvez le faire sur les pistes parce que avant, si vous voulez un petit peu vous dérouiller à l'appartement ou quoi que ce soit ou dans votre maison, eh bien allez-y. Mais là, juste avant de descendre une piste, avec ou sans bâton, je vais vous proposer des petites options. On va juste passer 5 minutes histoire de bien s'échauffer et d'éviter les blessures tout simplement. On est parti? Allez, hop là! Allez, vous avez tout le monde et vous allez faire des squats, vous allez faire des petits trucs et vous allez faire, on s'en fout s'il y a des gens qui passent ou des trucs comme ça, c'est pas un problème. Ok, vous allez lever comme ceci le genou pour déverrouiller un petit peu la hanche. Voilà, à droite et à gauche. J'espère que vous m'entendez bien avec mon micro. Ce serait dommage de ne pas m'entendre. Hop, hop. Et vous allez ouvrir les jambes un petit peu plus. Là, je suis un petit peu en pente, mais bon, c'est pour le cadre de la vidéo. Hein. Vous allez venir faire des squats. Vous allez, hop, descendre, inspirer et remonter, souffler. On ne descend pas trop bas. De toute façon, avec la tenue de ski, c'est un petit peu compliqué. Hop, on descend, on inspire et on remonte, on souffle. Vous êtes dans le noir, je suis dans le noir, c'est pas grave, vous voyez quand même ce que je fais. Vous gardez le dos bien droit pour faire un squat. Et le principal, c'est de profiter de la vue quand même. Hein. Allez, hop, je descends. On en fait une petite dizaine comme ça. On inspire en descendant. Et on remonte, on souffle. Ok, on va venir s'étirer, on va prendre son bâton ou pas. Si vous faites du snowboard, comme moi, vous n'avez pas de bâton, c'est pas grave. Hop, on va venir faire 10, comme ceci, ouvrez bien la cage, inspire en montant, souffle en descendant, voilà, on monte, on descend, on monte, on descend, grandit, voilà, hop, hop, on en a fait une dizaine, on va garder le bâton en haut, ok, on garde le bâton en haut, et pareil, on en fait une dizaine avec des squats, on en fait 10, voilà, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Vous allez venir lever un petit peu les jambes. Alors je sais que c'est pas toujours évident avec les chaussures de ski, mais on essaye quand même de monter les genoux. Juste pour activer un petit peu, voilà, le rythme cardiaque. Et on va, ici, mettre le pied droit devant, s'étirer un petit peu, ramener pointe de pied vers vous, pousser les fesses vers l'arrière. Voilà, comme ceci. Hop. Super. Et on change de jambe. Hop, et on va venir faire juste une petite fente à droite, une petite fente à gauche. On alterne droite et gauche. Voilà. Droite et gauche. Pareil, on en fait 10 en tout. D'accord?
Ça fait 5 à droite et 5 à gauche. Hop. Hop. Ok, on remonte un petit peu les genoux, un petit peu plus haut. Voilà, là on est déjà à 3 minutes, tranquillement. On monte en active. Et on va revenir faire des squats, on essaye de descendre un petit peu plus bas. Voilà, et on redescend, et on remonte. Et on redescend, et on remonte. Inspire, souffle. Inspire, souffle. On en fait encore une dizaine, comme ceci. Hop, hop, hop. Ok. Maintenant, on va rester le bas. Voilà, commence à bien se déverrouiller. Et on va déverrouiller un petit peu le haut. On va faire des twists comme ceci. Vous essayez de garder votre bassin droit et juste. Vous basculez à droite, comme ceci, et à gauche. Alors, je ne suis pas obligé d'avoir le bâton, hein, d'accord ? Juste à droite et à gauche. Souffle. Voilà, parce que souvent, sur les skis, bon, ou même sur le snowboard, vous allez avoir de la rotation. Hop, hop. Et on va chercher à droite. 1, on en fait 2, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernière fois à gauche. 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche, on enroule les épaules. On va se grandir, inspirer, étirer, essouffler. Dernière fois, on inspire, on grandit, on allonge et on relâche. Les amis, voilà, c'était 5 minutes de d'échauffement glacial polaire. Dans ce décor incroyable, on a juste le Mont Blanc qui est là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir parce qu'il y a juste le soleil qui vient de se lever. Voilà, on est tôt le matin. Et moi, je sais que vous savez que j'aime me lever tôt le matin. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, hop, je vous invite à me suivre, Alexandre Mallier. En attendant, je vous souhaite un excellent hiver. Bon ski à tous ceux qui ont la chance d'aller au ski. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que tout le monde peut se transformer. Et vous aussi les amis, allez ciao !